Quand on parle Magellan chez Triangle, c'est une toute une histoire. Ouais, tout à fait. C'est une histoire qui commence il y a 20 ans. On fête le 40e anniversaire de la marque, mais on fête aussi les 20e anniversaire de Magellan. Et pour cela, on leur a refait une toute nouvelle édition, l'édition Magellan 40e anniversaire. Alors, rentrons un peu dans le détail. Alors, l'idée, c'est qu'on a repris tout ce qu'on aime dans cette enceinte, ça veut dire d'excellents haut-parleurs, et on a essayé d'améliorer tout ce qu'il y a autour pour justement aller plus loin. Donc il y a plusieurs choses, notamment sur les Twitter, les médiums, les graves, mais surtout un gros travail dans tout ce qu'on appelle composants internes. Si on commence par les haut-parleurs justement, le principal changement va être sur le Twitter. C'est un changement qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est en fait le dôme à l'intérieur du Twitter. On avait une base de dôme titane et on a fait 5 ans de recherche pour changer différents métaux, différents alliages, jusqu'à trouver un alliage qui nous allait en majorité de magnésium. Et en fait, c'est assez technique, mais l'idée, c'est que la performance en termes de déformation, de restitution de certaines fréquences entre 3 et 5 mHz est bien meilleure. Et donc, du coup, c'est une technologie qu'on va implanter d'abord sur Magellan et qu'on va dériver sur toute une série d'enceintes à venir. Les médiums restent dans la même similitude, mais on va être sur des profils de cône un peu ajustés. Les graves, on va les retravailler, mais assez légers. Mais surtout, ce qui va changer, ça va être les composants internes. C'est-à-dire qu'on a un câblage, justement, AudioQuest, qu'on a développé spécifiquement avec la marque américaine. Donc là, c'est une grosse section de single wire, donc un brin unique avec une double isolation. Et on a surtout tout un nouveau filtrage avec des composants, des condensateurs de très bonne qualité. On travaille avec la marque SCR Audio. C'est eux qui fournissent des grands noms de la hi-fi, notamment Moondorf et autres. Ce qui veut dire qu'on a vraiment cherché à améliorer la qualité de nos composants pour trouver un style sonore, une évolution sonore et un gain en qualité. Donc voilà, c'est vraiment, on reprend le Magellan, on continue une certaine tradition, mais on va lui apporter un peu de fraîcheur, et notamment aussi dans la signature sonore. C'est le renouvellement, c'est un peu ce que fait la nouvelle équipe Triangle depuis 8 ans, ce qui veut dire de toujours conserver la signature sonore Triangle, mais essayer d'avoir un peu plus de linéarité, exprimer un peu mieux le médium, avoir un petit peu plus de performance dans les graves. Voilà, rendre cette enceinte un peu plus moderne tout en conservant le style Triangle. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec cette gamme qu'on présente maintenant sur le salon. Donc on a gardé la structure interne, c'est la même caisse, on peut dire. Oui, il y a un peu de changement vis-à-vis des renforts internes. On a repris les mesures, on a recréé des renforts internes supplémentaires pour justement garder un meilleur comportement vibratoire de l'ébénisterie. Mais on va rester sur des choses similaires. Ce qui va vraiment changer, c'est les composants internes et la signature sonore. Et bien sûr, vous avez 3 nouvelles finitions qui arrivent. Donc on va avoir un chêne doré que vous voyez ici. On va avoir un zébrano ombré, qui est en fait un dégradé du noir vers un bois de type zébrano. Et on va avoir un noir dit sidéral légèrement pailleté. Disponibilité et prix ? Alors la disponibilité est immédiate, ça veut dire qu'on a commencé la production depuis septembre. On est pour l'instant sur des listes d'attente parce qu'on produit au fur et à mesure dans notre justement manufacture de Soissons au nord de Paris. On est sur 4 modèles, donc la plus grande qui est la Quatuor, qui est à 14 000 euros la paire. On va avoir une cello un peu plus petite que vous voyez ici à 11 000, puis la bibliothèque à 5 500 et la Voce à 3 000 euros. Il faut savoir aussi qu'on a développé 2 pieds pour l'occasion. Le pied S08 qui va sur la bibliothèque Duetto à 1 000 euros et paire, et le pied S08C qui ira pour la voie centrale à 750 euros pièce.